maintenant, ça y est, la fête se déchaîne. Les animaux oublient les grilles et les chaînes. On danse, on fraternise, le loup avec l'agneau, le renard avec le corbeau, le tigre avec le chevreau, et le pou avec l'araignée, et le manche avec la cognée. Comme c'est joyeux, comme c'est beau, le carnaval des animaux. Et puis, quand la nuit se fera plus claire, quand la musique aura décidé de se taire, les bêtes feront la queue au vestiaire et la vie reprendra. À nouveau, on se craindra, le chien et le chat, le lion et le rat, etc. Ne riez pas, les bêtes ne sont pas les plus bêtes en soi. Et si vous en doutez un brin, rendez-vous dimanche prochain au carnaval des hommes. Ces auditions publiques sont très importantes parce que nous essayons en fait aboutir le travail qu'on fournit en fait régulièrement toutes les semaines dans les cours individuels. Il y a aussi tout le travail de préparation, la gestion de track, tout ça, ça fait partie d'une prestation d'un musicien. La première fois que j'ai fait du piano, c'était avec. Donc j'ai commencé mon premier cours avec Catherine Scollart. Et au début, je me souviens qu'elle avait commencé à faire des gammes. Et ça m'avait un peu intimidée parce que je ne connaissais pas non trop énormément, puisque c'était ma grand-mère qui m'avait montré. Et j'hésitais avec le violon, mais je me suis dit que j'ai pris le piano parce que pour moi, on ne pouvait pas faire de fausses notes. Donc c'est pour ça. C'était un peu de la facilité au début, mais finalement, j'aime bien. L'éléphant prend sa trompe. Le cerf, son corps de chasse, et voici que soudain monte dans le silence, pour le plaisir de nos cinq sens, la musique de Monsieur Saint-Saëns. La rencontre avec l'école de musique, c'était via un élève en commun qui est à la fois à l'école de musique et à la fois à l'atelier MJC de peinture. Et en fait, c'est la maman qui a fait le lien, qui s'est dit pourquoi pas, vu qu'on travaille, les enfants travaillent pas mal sur les animaux. Pourquoi pas faire une exposition en même temps que cette audition. Et à partir du thème sur le carnaval des animaux, on était tous les deux d'accord, quoi, de mélanger les arts, en fait, la musique, la peinture et je crois aussi le théâtre. Pour l'exposition, c'est la première fois qu'ils exposent. Sur le moment, je me suis dit, ils vont pas trop le prendre au sérieux, ils vont dire c'est une exposition, c'est comme tout le reste et tout. Et puis finalement, il y a eu un stress que les parents m'ont indiqué en disant qu'ils avaient eu une pression totale de pouvoir exposer. Et une fierté, en fait, lorsqu'ils étaient encadrés, leurs dessins, ou via sous verre, ou les cadres, tout simple. Aujourd'hui, c'est très important qu'il y ait l'audition, donc à travers le carnaval des animaux. Parce qu'on peut montrer tout le travail qu'on a fourni pendant l'année. En plus, ce qui est bien, c'est que là, on travaille ensemble. Ce n'est pas une audition. La majorité des œuvres sont faites ensemble. Et ça permet aussi de montrer le travail collectif, qui est très important aussi, parce qu'il faut écouter les autres en musique. Quand les enfants chantent, vous pouvez jouer plus doucement. En revanche, quand ils ne chantent pas, à la fin, vous voyez, quand on a ce petit pont, là, il faut jouer. Hein. Une chauve-souris chante, chante. Il met un parapluie, un grand parapluie noir, découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Bam, bam, bam. Moi, ce que j'aime dans le piano, c'est la sensibilité. Parce qu'on peut s'exprimer autrement que tous les jours en parlant. Je trouve que on peut exprimer nos sentiments à travers la musique et le piano et je trouve ça bien. Enfin, on peut se libérer. On peut participer en fait à cette œuvre, quel que soit le niveau, parce que c'est à chacun en fait de trouver sa place. Le rossignol chante la nuit, dans les arbres, entre les étoiles.
l'enseignement musical, l'apprentissage de la musique, c'est très important. Ça permet en fait à chacun de se développer. Et je pense que c'est très important quand même qu'une ville comme Gourdon propose cet enseignement-là.